Tu vois, là, il y a une faune, là, je pense, déjà. Tu vois, qui est Ah en bah on train de va la la laisser. décomposer. On va la laisser. Il y a des acariens, normalement, là-dedans, il disait. Petit escargot, limace. Des colamboles. Ça, c'est des cloportes, tu vois. Voilà, c'est ce qu'il dit, comment il s'appelle, C'est la faune Bourguignon. épigée. Voilà, épigée. La faune épigée. Voilà. En direct live. Elle va fabriquer l'humus. Voilà, c'est quoi, exactement. Voilà. Elle fabrique l'humus, la faune épigée. Voilà. Eh ben, tu vois, lui, apparemment, si j'ai bien compris, il consomme en fait ce qu'il trouve là au niveau du bois. Et ces petites crottes, ces déjections, ça va constituer l'humus. Et les vers de terre, avec les termites, c'est les seuls au monde aussi à ramener l'argile du sol et à le mélanger avec l'humus la nuit. Ça aussi, c'est important parce que si t'as pas de vers de terre, t'as pas ce mélange entre l'argile du sous-sol et l'humus du dessus. Il se fait pas. Argileux. Voilà. Voilà. Et c'est eux qui forment ce qu'il appelle le complexe argilo-humique. Mmh. Alors il dit chez nous c'est les vers de terre et dans les pays tropicaux c'est les termites.